I will keep you in the tower thing. No one's gonna take it down. You can be running. Love will never end. Tell me why your eyes are so wandering. There's nothing to hide in. Let yourself and love grow. Come again. I will be still here. Salut, salut, c'est Maïlo pour Mon Reporter. Alors, je trouve ça très beau, le feu dans un écrin de velours, et merci beaucoup pour ces compliments. Du coup, oui, je pense qu'on a tous en soi, en nous, une partie qui est un peu plus calme, une autre partie qui demande à s'exprimer, etc., à travers différentes activités. Moi, du coup, c'est la danse que j'ai choisie, parce que j'en ai fait quand j'étais petite, avant de faire la musique, avant de faire du chant. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager quelques petits pas de danse avec vous. Non, j'ai pas su avant que je voulais mettre ça en valeur dans le clip parce que c'est il y a plusieurs étapes avant de faire une musique et de la rendre réellement disponible. Il y a une phase d'écriture, ensuite il y a une phase de production, il y a une phase de mix et c'est après toutes ces phases là du coup que j'ai décidé, enfin que je me suis dit que ce serait une très belle idée de mettre en valeur du coup la culture africaine à travers ce clip là, parce que c'est vrai que dans les autres clips, donc dans les Ibous, Lila ou encore Dance With Me Tonight, il n'y avait pas ce clin d'œil là parce que ça s'y prêtait pas tout simplement, mais là du coup c'était l'occasion et voilà, à travers les vestes et aussi la danse du coup j'ai pu exprimer ça, voilà. Le tournage du clip s'est déroulé à Paris, au but de chemin pour la partie de danse et puis ensuite dans différents endroits parisiens. C'est vrai que la partie de danse au but de chemin était assez mémorable parce que voilà, il y a des gens en fait qui se promènent dans le parc et qui du coup sont un petit peu curieux de savoir un peu ce qui se passe. Donc ça peut être assez intimidant au départ, mais en soi, non, c'était une très belle expérience et c'est Obi, du coup, le réalisateur Obi qui l'a réalisé. Et c'était un plaisir d'avoir travaillé avec ses côtés parce que du coup il a su aussi mettre ça en valeur, donc voilà, merci beaucoup Obi. Laurigny, elle a été une artiste que j'ai énormément écoutée, qui m'a beaucoup influencée, en tout cas dans l'intention d'émotion que tu veux transmettre sur scène en fait. Parce que Laurigny a cette capacité-là d'avoir sa guitare et sa voix, et ça suffit en fait à transmettre des frissons. Moi personnellement ça a été ça m'a transmis énormément de frissons. Ensuite voilà, j'écoutais pas qu'elle, il y avait aussi beaucoup de d'autres artistes comme forcément Beyoncé, hein, parce que 94 et qu'on baigne dedans, mais il y avait, en ce moment c'est un peu plus du Myra Andrade. En fait les influences elles évoluent avec le temps et avec le mood aussi, quoi. Donc du coup en ce moment c'est beaucoup Myra Andrade. Il y a aussi une artiste qui s'appelle Mahalia que j'aime beaucoup. Et puis voilà, sinon ça a été Justin Timberlake, tous ces petits classiques-là. Hein. Oui, bien sûr, l'EP a été produit par Van Nupier, qui est un artiste fabuleux et qui du coup a monté son label qui s'appelle Shoestring Records. Et du coup, voilà, il m'a produit avec ce label-là. Ensuite, on a donc la phase de composition, c'est d'abord moi avec ma guitare, du coup, qui compose la musique et qui ensuite écrit quelques textes dessus. Ensuite, on met tout ça en commun avec Vanupier, on essaie de faire évoluer le projet, etc., de le faire grossir. Et ensuite, voilà, tout ce qui est réalisation, tout ce qui est clip design, ça, c'était vachement le boulot de Vanupier avant, parce que c'était au tout début et que voilà, il faut faire les choses correctement. Il a l'expérience qu'il fallait aussi et du coup là pour ce clip là Come Again, c'est la première fois du coup que je prends un peu les choses en main pour exprimer réellement ce que j'ai en tête, en tout cas sur le moment, voilà. Vanupier a toujours été là bien sûr à mes côtés pour m'épauler là-dessus. L'aigle représente mes peurs en fait, voilà. L'aigle, ça représente vraiment quelque chose, les peurs, c'est-à-dire les choses pour lesquelles tu as envie d'aller, mais au fond de toi, tu dis, bon, on sait jamais, peut-être que ça peut marcher ou pas, ou l'hésitation, etc. Donc en gros, ça représente tout ça,
Et c'est pour ça que dans tout le long du clip, en fait, je l'apprivoise un petit peu. Il vient vers moi, c'est moi qui vais vers lui. Ensuite, il y a un peu de distance. Et ensuite, finalement, on finit par se retrouver. Enfin, je finis par me retrouver, du coup, avec l'aigle sur mon bras. En fait, c'est pour dire, voilà, qu'en gros, je peux avoir des peurs. On peut tous en avoir, mais à un moment, il faut les apprivoiser et faire en sorte d'avancer avec elle, en tout cas, et de voilà, d'avancer avec elle et de les affronter, en tout cas. Moi, j'aimerais remercier vous, toutes les personnes qui viennent dans cette interview-là, Omar Reporter, Xavier pour ça, pour l'invitation, Maxime d'Under Records, Vanupier, mon producteur, Flox qui a mixé les sons, et ma famille, les amis, et toutes les personnes qui écoutent la musique voilà, de jour en jour. On y croit, moi c'est ma passion et je vous remercie de la faire évoluer en tout cas. Voilà. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous.